Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Raden Zikri Najmuddin Ahmad, étudiant de l'université de Pajajaran. Le reniement de Saint-Pierre par Charles Baudelaire. Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au tout bruit de nos affreux blasphèmes. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute. Puisque, malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux ne s'en sont pas encore rassasiés. Ah, Jésus, souviens-toi du jardin des olives. Dans ta simplicité, tu priais à genoux. Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous. Que d'ignobles bourreaux plantés dans tes chairs vives. Lorsque tu vis cracher sur ta divinité, la crapule du corps de garde et de cuisine, et lorsque tu sentis sans forcer les épines, dans ton crâne où vivait l'immense humanité. Quand de ton corps prisait la pesanteur horrible, allongeait tes deux bras distendus, que ton sang et ta sueur coulait de ton front pâlissant. Quand tu fus devant tous posé comme une cible, revêtu de ces jours si brillants et si beaux, où tu vins pour remplir l'éternelle promesse, où tu foulais, monté sur une douce ânesse, des chemins tout jonches de fleurs et de rameaux, où le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces villes marchands à tour de bras. Où tu fus maître enfin? Le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance? Certes, je sortirai. Quant à moi, satisfait. D'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puis ces jeux usèrent du glaive et périt par le glaive. Saint-Pierre a régné Jésus. Il a bien fait. Les Fleurs du Mal, 1857. Merci beaucoup.